Les pieds dans le plat. Je vais vous en donner un euh, et je l'ai rarement dit, j'ai voulu attendre parce que bon, j'ai une pudeur pour, pour ne pas dire ce genre de choses. Donc je crois que vous, êtes parmi les, vous allez être parmi les premiers, peut-être même les premiers en tout cas, à qui je vais le dire. Lorsqu'il y a eu le relais 4 fois 100 m nage libre aux Jeux Olympiques de Londres 2012, que le Quatuor français a remporté au détriment des Américains. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette course, c'est la course, c'est l'épreuve qui a eu le plus de succès, le plus d'impact. Pendant les JO de Londres 2012, ouais. il y a bientôt deux ans. La France, non seulement ne devait pas gagner ce relais, mais on pensait entre 3e et 5e, donc peut-être podium, mais pas sûr. Et il termine Yannick Agnel, Amaury Levaux, Clément lefèvre et euh, Fabien, Gillo, vous voyez, je, je, je les ai encore par cœur en tête parce que vraiment, c'est un quatuor merveilleux. Et à ce moment-là, j'ai je, je, déjà, un, j'ai rarement vu des gens aussi heureux. Ça fait, comme disait Valérie, plus de 20 ans que je fais ce métier. Mais des gens avec un tel bonheur dans les yeux, j'ai rarement vu. Et ils viennent vers moi, ils, ils, plongent, ils, ils me plongent, c'est le cas de le dire pour un, pour, un, pour, un, pour un nageur, ils me plongent à moi parce que je tout mouillé, etc. Et Yannick Allier, me souffle à l'oreille. Euh, tu es comme notre cinquième relayeur. Non. Ouais. C'est beau, ça. Ça, oui, ça, ça c'est quelque chose que je garderai en moi toute ma... Enfin, je sais pas, toute ma vie, je ne sais pas, mais en tout cas, je, 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 je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Le repas, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, midi 30 Cyril Hanouna.